Un peu. Je suis un peu, enfin, nous sommes un peu étonnés du faible nombre ce soir. Oui, allons-y, parce qu'ensuite, si les gens peuvent l'écouter après, ça vaut le coup Tout d'apporter. à fait. Voilà. Voilà, ben, je souhaitais de toute manière souhaiter la bienvenue pour notre deuxième soirée de notre cycle de conférences. En rappelant combien cette question des libertés était d'actualité, si on se fie à Freedom House, cette ONG américaine qui fait un petit peu le bilan annuel, nous serions à la 15e année consécutive de recul des libertés. Et puis pour la France, pays des Lumières, on se classerait au 40e rang et les États-Unis, porte-drapeau des libertés, au 58e rang. Donc on sent bien l'état de la question. Il y a un mois, Bertrand Vergely était venu nous resituer le sens de cette liberté qui se prête aujourd'hui à des approches si différentes. Et la question posée ce soir porte donc sur la liberté d'expression. Cette liberté qui est associée à la liberté de conscience, qui concerne autant l'expression des opinions religieuses, morales ou politiques, qui est dès l'origine un idéal de liberté progressivement acquis dans nos sociétés démocratiques et souvent de haute lutte, et qui se doit de contribuer à l'intelligence collective et au bien commun. Or, cette valeur qui nous semblait effectivement acquise, souvent de haute lutte, est aujourd'hui menacée de différents points de vue. Certains revendiquent une liberté de tout dire au risque de nourrir racisme, antisémitisme, discours de haine, ou n'hésitant pas à tordre des vérités établies, à confondre opinions personnelles et faits démontrés, à alimenter des thèses complotistes. D'autres, au contraire, veulent imposer des formes de censure, définir ce qu'on a le droit de dire, de faire, de penser ou de publier. Et en plus de ça, les capacités d'Internet et des réseaux sociaux permettent aussi de diffuser en un instant et sans contrôle des affirmations totalement dérégulées ou des rumeurs sans fondement. Internet permet aussi une démultiplication des messages et un ciblage algorithmique qui brouille leur réception. Et c'est pour mieux comprendre donc ce qui nous arrive, pour mieux en prendre conscience et en discerner les enjeux, que nous avons invité Madame Monique Cantos-Perber, qui, malgré vos soucis de santé, a néanmoins accepté d'assurer cette conférence, non en présentiel comme prévu initialement, mais en visioconférence. Donc, vous êtes madame philosophe, universitaire et directrice de recherche au CNRS. Vous avez dirigé pendant 7 ans l'École normale supérieure. Vous avez créé et présidé l'Université de recherche Paris Sciences et Lettres. Vous participez au Comité national consultatif d'éthique. Enfin, je n'ai pas besoin de vous présenter plus longuement. Vous êtes particulièrement intéressé, je crois, aux questions de liberté ces toutes dernières années. Et vous avez notamment publié La fin des libertés ou comment refonder le libéralisme en 2019. C'était initialement sur ce sujet que nous pensions vous accueillir il y a un an, s'il n'y avait pas eu la pandémie. Et vous avez publié plus récemment cette année même Sauver la liberté d'expression, qui est le sujet de ce soir. Et puis, si je peux le rappeler, vous avez même été concrètement confronté sur le terrain à cette problématique lorsque vous étiez directrice de l'École normale supérieure. Alors encore merci, madame, d'avoir accepté notre invitation, malgré votre situation de santé et le faible auditoire de ce soir, que nous regrettons beaucoup. Merci infiniment. Vous savez, si j'ai un seul auditeur, ça me suffit, déjà plusieurs. Donc, il n'y a aucun problème pour cela. Mais simplement, je ne pourrais peut-être pas rester avec vous très longtemps parce qu'il est vrai que c'est en cours de rétablissement. Donc, en effet, merci beaucoup pour votre très chaleureuse présentation.
Je vais donc vous parler de la liberté d'expression. Je vous montre, je vais passer les auditeurs par la voix. Et le livre que j'ai publié, en effet, au mois d'avril dernier, alors je ne sais pas si vous voyez l'image que ce livre, que la couverture de ce livre présente, c'est-à-dire une bouche sur laquelle a été posé un cadenas, sans d'ailleurs qu'une quelconque souffrance se manifeste de la part de la personne qui subit ce traitement. Ça me paraissait assez bien illustrer la situation de la liberté d'expression aujourd'hui, qui oblige à constater que de multiples façons, l'expression tend à être limitée, ou l'expression est l'objet de diverses formes de censure, d'intimidation, qui peut donner l'impression, en effet, que pour certains propos, un cadenas est posé sur la bouche. À vrai dire, je suis partie d'un constat que vous avez évoqué dans la présentation, un constat de deux, enfin, ou plutôt de deux observations apparemment contradictoires concernant la parole publique. D'une part, nous voyons des personnes aujourd'hui, enfin bon, l'un même est allé jusqu'à se manifester son souhait d'être candidat, enfin poser sa candidature à la présidence de la République, sont des propos extrêmement, qu'on pourrait qualifier de désinhibés, qui sont à la limite de l'incrimination pénale, en tout cas pour la personne à laquelle je pense, Éric Zemmour. Il a quand même été condamné plusieurs fois déjà pour incitation à la haine raciale, donc les propos, sa manière de parler est manifestement la plupart du temps à la limite de l'incrimination pénale, et parfois cette limite est franchie. Mais la plupart de ceux qui, là je donne ce nom en général, je n'aime pas citer de nom, mais c'est simplement un cas qui parle à tout le monde. Ce qui est intéressant dans ce phénomène, c'est que ce soit sur cet aspect extrême ou sur d'autres aspects plus modérés, cette forme de parole libérée, de désinhibition de la parole, qui s'affranchit de tout tabou. Et d'ailleurs, j'ai cité l'expression de parole libérée. Vous voyez bien que cette expression se réfère directement à la liberté d'expression. Cette pratique de la parole publique se revendique du noble idéal de la liberté d'expression et demande à être, d'une certaine manière, tolérée, acceptée et même louée au nom de cet idéal. Les forces de censure qui empêchent une telle liberté de l'expression n'étant évidemment plus les autorités traditionnelles, politiques ou religieuses, mais ce qui est désigné comme une forme de bien-pensance qui interdit d'aborder certains sujets, qui interdit de dire certaines choses. Donc ça, c'est un premier état de la parole publique qui est assez bien illustré aujourd'hui dans la culture contemporaine française, assez largement relayé par les médias, d'ailleurs, que ce soit pour la mettre en avant et la vanter, ou bien alors pour la critiquer. Et puis de l'autre côté, étrangement, on a affaire à un phénomène tout à fait inverse. On assiste à des phénomènes de censure de plus en plus répétés, qui pour l'instant semblent plutôt concentrés dans certains lieux institutionnels, comme les universités, les théâtres, les centres d'art dramatique, mais qui, peu à peu, atteint toute la sphère médiatique et même la société dans son ensemble. Et cette deuxième réalité de la liberté de la parole publique montre que, en effet, il est dangereux d'employer certains mots, il est dangereux de manifester certains signes, de mettre en avant certaines thématiques, car on risque à ce moment-là de faire l'objet d'une vaste protestation qui se déroule le plus souvent dans les réseaux sociaux, à l'aide des réseaux sociaux, et qui, eh bien, dans la plupart des cas, se résume à un phénomène d'intimidation qui parfois peut prendre des formes assez violentes et dont l'effet le plus assuré est la censure et éventuellement l'autocensure. Donc ça, c'est une chose qui m'a beaucoup intéressée. Comment
Est-il possible que la parole publique soit en quelque sorte prise entre ces deux extrêmes, d'un autre côté la parole, une parole complètement désinhibée, l'autre une parole au contraire extrêmement soumise à surveillance et contrôlée. Alors, évidemment, ce qui m'intéresse, moi, c'est d'aller au-delà d'une apparente d'un apparent étonnement ou d'une apparente contradiction et d'essayer de comprendre ce qui, dans la notion de liberté d'expression, pouvait permettre ce type de situation. Donc, pour cela, j'ai tenté de reconstituer la généalogie philosophique de la notion de liberté d'expression et de reprendre l'histoire des conceptions de la liberté d'expression. Parce que, pour vous donner un exemple frappant, nous considérons aujourd'hui la liberté d'expression comme une véritable valeur libérale, démocratique, mais il y a quelques siècles, ce n'est pas du tout ainsi qu'on considérait alors, on parlait pas alors de droit de parler, on parlait de volonté ou de capacité de dire ce qu'on voulait. Eh bien, il y a quelques siècles, ce n'était pas du tout considéré comme quelque chose doté de valeur. Aujourd'hui, la valeur que nous accordons à la liberté d'expression est une valeur morale, très largement. C'est-à-dire que la tolérance est une vertu. Il faut pouvoir s'exprimer et il y a une valeur morale à tolérer ce qu'on n'aime pas du tout. Et l'expression des expressions qu'on n'aime pas du tout, l'expression des opinions qu'on désapprouve totalement. Celui qui refuse de les laisser s'exprimer fait preuve d'intolérance. L'intolérance est véritablement aujourd'hui considérée comme contraire d'une vertu. C'est donc qu'on dote de leur morale la capacité qu'on a à accepter d'être contredit, parfois même à accepter d'être attaqué, d'être mis en cause. C'est ce qu'on appelle la tolérance et c'est considéré comme une vertu. Il y a 3 siècles, ne serait-ce que 3 ou 4 siècles, ce n'était pas du tout considéré comme cela. On estimait que toute personne ou toute autorité qui avait la capacité de faire taire celui qui proférait des critiques à son endroit devait totalement et tout à fait le faire taire. On ne considérait qu'il n'y avait aucune valeur morale à tolérer l'expression de celui qui vous contredit ou qui vous critique ou qui vous attaque. La parole publique se réglait à l'intérieur de rapports de pouvoir avec plusieurs autorités tout à fait reconnues, qui étaient le pouvoir politique, bien sûr, l'autorité religieuse, évidemment, mais également tous les pouvoirs locaux. Établi, pouvoir des nobles, pouvoir des puissants, etc. Qu'est-ce qui a fait, comment est-on passé de cette conception qui aurait considéré comme totalement irrationnelle de ne pas faire taire celui qui vous fait du tort, si vous avez les moyens de le faire taire, il est totalement irrationnel de ne pas le faire taire. Comment est-on passé de cette conception-là à de la liberté, du risque qu'il y a à exprimer librement ses opinions, à une toute autre conception. On considère que c'est un acte de courage que d'exprimer ses opinions, et c'est un acte de vertu que de tolérer l'expression des opinions, même les plus hostiles. Comment s'est faite cette moralisation de la capacité de parler? Je suis évidemment, on dit souvent que la liberté d'expression est liée à la liberté de conscience, que la liberté de conscience est liée aux guerres de religion. Mais lorsqu'on regarde les choses de manière plus précise, elles sont aussi plus compliquées et c'est ce qui rend la question intéressante. Au moment des guerres de religion, en effet, en tout cas au début des guerres de religion, la compréhension générale théologienne était évidemment que le croyant, le chrétien, n'avait absolument pas la liberté, je ne dis même pas d'exprimer sa croyance religieuse, mais surtout de la concevoir. Les textes sont très nombreux qui considèrent que la conscience du chrétien n'appartient pas au chrétien, elle appartient à Dieu. C'est Dieu, de sorte, qui imprime sa réalité
dans, et l'évidence de son existence dans la conscience du chrétien. L'idée qu'un chrétien, alors j'insiste sur le christianisme parce que là, si vous, on a beaucoup insisté sur la différence entre les infidèles et les dissidents. La réforme a été un véritable défi pour la pensée chrétienne, précisément parce qu'elle était, elle se situait à l'intérieur même du christianisme, au sein de la communauté des croyants qui avait eu connaissance de la révélation, ce qui n'était pas du tout le cas des juifs ou des mahométans, comme on les appelait à l'époque, moins des païens. Donc, il y a donc un devoir de rectifier les consciences, de réintroduire la juste croyance à l'intérieur des consciences. Je cite dans mon livre de nombreux passages sur la pratique de l'intolérance par amour. La croyance religieuse est tout à fait fondamentale, c'est la plus importante des croyances au XVIe et au XVIIe siècle, non seulement parce qu'elle a trait au salut après la mort, qui est la question la plus importante de la vie ici-bas, mais aussi parce qu'elle entraîne avec elle toutes les conceptions morales. Le bien et le mal ne se conçoivent pas en dehors d'une référence, en dépit d'ailleurs de l'influence que pouvait avoir l'Antiquité, la pensée antique. Il reste que le bien et le mal ne se conçoivent pas en dehors d'une référence à Dieu. Tout cela fait que, d'une certaine manière, l'apport de la réflexion philosophique tout au long des guerres de religion et d'une certaine manière, ce qu'on peut considérer avoir été la conclusion philosophique des guerres de religion, c'était bien l'idée que la conscience religieuse appartient aux croyants, que c'est le croyant qui se donne sa conscience religieuse. C'est une sorte, la reconnaissance d'une sorte de souveraineté de la croyance de l'individu sur sa croyance. Et cette étape-là est acquise à la fin du XVIIe siècle, à l'extrême fin du XVIIe siècle. Je crois qu'on peut l'attribuer à Pierre Bayle, parce que même chez Locke, qui est pourtant présenté comme le philosophe qui a défendu de la manière la plus rigoureuse les bienfaits de la tolérance, chez Locke, même dans la lettre sur la tolérance, il insiste beaucoup, Locke vante la tolérance et surtout critique l'intolérance en mettant en avant les conséquences extrêmement néfastes de l'intolérance, puisque l'intolérance est d'abord inutile et inefficace, puisque le contenu de la conscience religieuse n'est pas le fait de la volonté. Ce qui n'est pas la même thèse que admettre que la conscience, que l'individu est souverain sur sa conscience religieuse. Enfin, pour Locke, le contenu de la conscience religieuse n'est pas l'objet d'une action volontaire, donc ça ne sert à rien de persécuter et de torturer, on ne changera pas la conscience religieuse d'un croyant. Ensuite, l'intolérance rend impossible la paix civile. Et enfin, l'intolérance oblige à l'hypocrisie, puisqu'elle demande aux croyants d'être hypocrites et de feindre d'avoir une autre conviction religieuse que celle qu'il a. Donc, pour ces trois raisons, Locke condamne l'intolérance et vante la tolérance. Mais à aucun moment, dans aucun texte de Locke, on ne trouve une défense du droit qu'a l'individu de se donner en toute sa souveraineté et en toute indépendance le contenu de sa conscience religieuse. Cette affirmation-là, on la trouve chez Bell, enfin, on la trouve sous une forme assez particulière, mais là, je suis obligée de rendre les choses un petit peu plus simples qu'elles ne sont. Et évidemment, qui dit souveraineté de l'individu sur sa conscience religieuse, dit évidemment liberté de l'exprimer et une forme de valeur morale reconnue à cette expression de la croyance religieuse et donc une forme d'obligation morale de la part de ceux qui entendent l'expression d'une croyance religieuse, en particulier lorsqu'elle n'est pas la leur, et lorsque c'est une croyance religieuse non orthodoxe, non dominante, de la tolérer. Cette construction très, très tardive et très lente de la valeur morale, de l'expression des opinions et de l'obligation de les tolérer, comme vous le voyez, se fabrique, se forge uniquement à propos de la croyance religieuse et de la croyance morale. Donc ça, c'est
une des généalogies majeures de la liberté d'expression, mais j'insiste sur le fait qu'elle n'a de sens que pour la croyance religieuse et la croyance morale. Elle n'a pas de sens, il est hors de question qu'elle porte sur toutes les croyances et toutes les opinions. Pour Bell, il est bien entendu que ça ne dépasse pas la croyance morale, et surtout la croyance religieuse. Alors, il y a une autre origine de la liberté d'expression, évidemment, c'est la liberté d'expression politique, le droit de critiquer les gouvernants, qui d'une certaine manière est acquise avec la révolution avec la déclaration des droits de l'homme. Article 10, nul ne doit être inquiété pour ses opinions. Et puis voilà, ce sont les deux racines majeures de la liberté d'expression, qui sont deux racines philosophiques différentes, hein, vous le voyez, d'où une des thèses que je défends dans mon livre, c'est que la liberté d'expression a plusieurs fondements, un fondement religieux et moral, c'est très clair, elle a un fondement politique aussi, mais ni la liberté d'expression politique, ni la liberté d'expression religieuse et morale ne permettent de penser la liberté d'expression dans son ensemble, puisque la plupart des expressions que nous employons, et la plupart des cas dont s'occupe la justice aujourd'hui, ce ne sont pas des cas qui ont trait à l'expression des croyances religieuses. Que je sache, personne ne s'est jamais retrouvé devant un tribunal pour avoir dit « je crois au diable » ou « je crois à je ne sais quoi ». Alors, en matière politique, il est vrai que les injures aux gouvernants sont punies, mais parce que ce sont des injures, pas parce qu'elles sont adressées aux gouvernants. Donc, la plupart des cas qui occupent la justice, et même la totalité des cas qui occupent la justice, et pour lesquels les problèmes de la liberté d'expression se posent, sont des usages de la parole publique en société. Or, il n'y a pas de fondement philosophique fort de cette liberté totale de l'expression en société, qui porte sur ce qu'on dit des autres, sur ce qu'on dit des institutions, sur ce qu'on dit de l'histoire, sur ce qu'on dit de la culture, sur ce qu'on dit des événements historiques. Il n'y en a pas. Donc, on a le sentiment, et c'est une des thèses que je défends dans mon livre, évidemment, là, je vous parle d'un sentiment, mais j'essaie de le démontrer. On a le sentiment que... Et la liberté, l'idée de liberté de conscience et la valeur morale attachée à la liberté, à l'expression des opinions, c'est d'une certaine façon généralisé à la fin du XVIIIe siècle, à la faveur de la Déclaration des droits de l'homme. Cette liberté de parler qui ne valait dans son fondement philosophique que pour la liberté religieuse, la liberté d'expression en matière religieuse et morale, c'est généralisé, mais elle s'est un petit peu généralisée, on peut dire, un peu au-dessus du vide. D'où les problèmes que pose actuellement la parole publique. Alors, il est vrai que depuis la démocratisation des sociétés occidentales, depuis le XIXe siècle, les premières lois ont été définies pour contrôler la parole publique, en éviter les abus. Alors, on s'est demandé qu'est-ce qui pouvait limiter la liberté d'expression. Et John Stuart Mill, que je cite souvent dans mon livre, un philosophe libéral du XIXe siècle, insiste sur le fait que la seule limite légitime de la liberté d'expression, c'est le tort fait à autrui. C'est uniquement quand on fait un tort constaté, avéré à autrui, que la liberté d'expression doit être limitée. Donc, il n'y a de limite de la liberté d'expression que s'il y a dommage sur autrui. Alors, sur autrui ou à la limite sur l'ordre public qui permet aux hommes de vivre ensemble. En revanche, lorsque la liberté d'expression offense, gêne, déplaît, elle ne crée pas un dommage. La définition que Mill donne du dommage est quand même assez stricte. Il s'agit essentiellement d'une mise en cause quasi physique de la personne. Il donne un fameux exemple. On peut écrire un article appelant à la disparition des négociants en grains. Il est tout à fait permis d'écrire ça dans un journal. Mais en revanche, celui qui afficherait cet article sur la porte de la maison d'un négociant en grains mettrait ce négociant en grains, devant une foule déchaînée, mettrait ce négociant en grains en danger. Et là, il n'y a pas de liberté pour ce type d'expression.
Alors, ça paraît un critère très simple, évidemment, dans la ligne libérale, la liberté de chacun s'arrête là où commence la liberté des autres. Mais c'est très difficile, c'est un critère qu'il est très difficile de rendre précis. Et puis surtout, c'est un critère qui valait à la limite dans une société où très peu de personnes avaient, c'est-à-dire la société de la fin du 19e siècle, où très peu de personnes avaient accès à la parole publique. Et où les personnes qui avaient accès à la parole publique partageaient des codes culturels et des codes d'expression le plus souvent communs. Il est évident, et surtout entre personnes qui discutaient d'arguments, qui discutaient de points de vue. Cela n'a rien à voir avec la situation d'aujourd'hui, où tout le monde a accès à la parole, où il n'y a plus du tout de communauté des codes de langage, il n'y a plus du tout une société savante qui, quelles que soient ses opinions, partage les mêmes codes de langage. Ça, ce monde est révolu. Et de plus, aujourd'hui, on ne parle pas simplement, on ne s'oppose pas simplement dans l'espace de la parole publique avec des arguments, mais aussi en opposant des identités les unes aux autres. On ne discute pas des identités comme on discute des arguments. Un argument, on peut jouer à le critiquer, on peut le mettre à distance. Une identité, c'est beaucoup plus compliqué. Donc tout cela montre que le système de régulation de la liberté d'expression qui a prévalu depuis la fin du 19e siècle, 19e siècle et puis surtout au 20e siècle, est à repenser. Alors je donne dans mon livre quelques éléments pour le repenser. J'insiste sur le fait qu'on ne peut pas limiter le tort qu'on ne peut pas justifier les limites apportées à la liberté d'expression simplement par le tort fait à autrui, qu'il faut aussi prendre en compte l'altération des normes communes. Le fait, je montre que l'emploi répété d'un vocabulaire injurieux ou d'un vocabulaire à l'égard de certaines personnes ou d'un groupe humain peut finir par modifier le seuil de ce qui est tolérable, de ce qui est acceptable. Donc là, il y a un effet majeur sur les normes communes qui amène à une reconfiguration, à un changement du paysage normatif où de plus en plus de choses qu'on considérait comme inadmissibles deviennent tolérables. C'est ce qui s'est passé dans l'Allemagne nazie, c'est ce qui s'est passé au Rwanda. Bon, je crois que ce sont des choses assez connues. Et j'insiste aussi sur le fait qu'un autre élément doit être pris en compte pour limiter la liberté d'expression. Ce n'est pas simplement le tort fait à autrui, mais c'est aussi le fait que ce tort peut consister à réduire l'autre au silence, c'est-à-dire à l'empêcher de répondre. Donc, en quelque sorte, je défends un état de la circulation de la parole publique assez libéral, mais avec quand même la limite que... Il n'y a plus de liberté partagée, il n'y a plus de liberté qui s'entrechoque ou de point de vue qui s'entrechoque si on empêche certains de parler. Or, il y a des usages de l'expression qui empêchent les autres de parler et de répliquer. Là, je donne des explications assez détaillées dans mon livre en m'appuyant sur des recherches linguistiques récentes. Donc, ce sont ces deux critères supplémentaires que j'ajouterai à la définition de John Stuart Mill. Donc, altération des normes communes et réduire l'autre à un état d'incapacité de prendre la parole, où il peut toujours la prendre en criant ou en protestant, mais sa réplique n'est pas reconnue comme une véritable parole. Et puis, j'insiste aussi beaucoup sur la nécessité de réguler les réseaux sociaux. Là aussi, je fais un certain nombre de propositions en insistant sur le fait que... Souvent, on présente les réseaux sociaux comme le lieu même de la liberté d'expression. Alors, il est vrai que chacun peut s'exprimer librement, ça c'est incontestable. Mais la liberté d'expression est quand même associée à la capacité, à la réalité d'un libre débat. Les opinions peuvent être confrontées les unes aux autres. Or, cette dimension de débat non faussé, non biaisé, n'existe pas vraiment dans les réseaux sociaux, pour la simple raison que, en raison des algorithmes, certaines opinions, et en particulier les plus spectaculaires, les plus chargées d'émotions, acquièrent une très grande visibilité qui les rend omniprésentes.
et qu'en revanche, les opinions qui réfuteraient ces opinions-là, elles n'intéressent en général personne et elles n'ont aucune visibilité. Ce qui fait que le débat est constamment faussé sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas un lieu de liberté d'expression, en ce sens, où chacun peut se faire son idée en écoutant les points de vue librement exprimés par tous. Donc là, je fais un ensemble de propositions pour la régulation de la liberté d'expression, mais j'insiste sur le fait que cette question de la liberté d'expression et du statut de la parole publique est une question aujourd'hui vraiment tout à fait essentielle pour l'avenir de la d'un espace public fluide où il puisse y avoir une véritable rencontre entre les êtres humains, où les paroles puissent s'échanger, puissent être confrontées les unes aux autres, parce que aussi bien la parole libérée que les nouvelles formes de censure qui existent aujourd'hui bien, tendent à créer des espèces d'îlots d'expression. Ceux qui disent on peut plus rien dire, moi je vais vous dire ce qu'il faut dire et ce que les gens pensent, n'attendent, ne veulent absolument pas engager un débat. Ils veulent simplement asséner leur vérité, ce qu'ils pensent est leur vérité. Et puis ceux qui veulent empêcher les autres de parler, évidemment, alors là c'est encore plus clairement une volonté de censure. Donc derrière dans ces deux points de vue opposés, il y a aussi une forme d'emprise sur la parole publique. La parole libérée, eh bien, voudrait être d'une certaine manière, on peut dire que ceux qui en sont les tenants voudraient être les seuls à parler. Et puis, du côté des nouveaux censeurs, évidemment, il y a la volonté d'imposer à tous une loi qui n'est pas la loi de la justice, mais qui est une loi, une sorte de loi privée sur ce qu'on peut dire et sur ce qu'il faut taire. Et il est absolument essentiel de résister à ces formes d'emprise et à ces formes d'intimidation, d'où qu'elles viennent. Je crois que c'est vraiment un enjeu de culture pour maintenir un espace commun de discussion. Et c'est aussi, il est aussi indispensable de tracer des limites, ce qui est inacceptable dans le domaine de l'emprise sur la parole publique, parce que sinon nous risquons d'entrer dans un usage de la parole qui est véritablement source de conflit entre des groupes opposés, ce qui n'est jamais bon pour la suite. Voilà ce que je voulais dire. Merci Madame pour avoir rapidement retracé effectivement le fil conducteur de votre livre, qui, je le rappelle, est en vente à 47 degrés Nord, mais qui existe aussi en version numérique pour ceux qui le souhaitent. Est-ce qu'il y a des questions sur un point plus particulier pour pouvoir permettre à Madame Cantos-Berber de le creuser davantage? Pierre, si tu veux ouvrir ton micro. Pierre, ouvre ton micro. Oui, c'est bon. Voilà, merci. Je voudrais vous remercier, Madame, pour votre exposé clair. Ça ne m'étonne pas de votre part. Est-ce qu'on peut quand même rendre justice à quelqu'un qui écrivait 5 siècles ou presque avant Pierre Bell, dont je suis d'accord pour dire que c'est le vrai pionnier des Lumières? Il s'agit de Thomas d'Aquin, qui dit explicitement dans la Somme théologique, « Croire au Christ est en soi une chose bonne, mais c'est une faute morale que de croire au Christ si la raison estime que cet acte est mauvais. » Et il conclut, « Chacun doit obéir à sa conscience, même erronée. » Je pense que c'est très fort. Bon, voilà. Mais ce n'est pas l'objet de ma question. Est-ce que, enfin, pour pouvoir s'exprimer, il faut avoir des mots. Je pense que vous avez dû remarquer, même à Normal Sup, qu'il y avait comme une déperdition, une déréliction de la langue. Et moins on a de mots,
Moins on est précis sur l'usage des mots, plus évidemment on rend la nuance difficile. Donc on est de plus en plus dans du binaire. Et évidemment, ça ne peut que déboucher sur du manichéisme. Et puis il y a aussi autre chose qui a un peu disparu. Enfin, je prends juste ça comme symbole. Vos devanciers agrégatifs en 1968 ont réclamé la suppression d'une épreuve qui était obligatoire à l'agrégation de philo, à savoir la logique, parce que la logique a été jugée bourgeoise, impérialiste, etc. Et donc, tout de Gaulle qu'il était, le chef de l'État a décidé, ou le ministre de l'Éducation, de supprimer cette épreuve. Je suis très frappé pour avoir enseigné à mon modeste niveau de voir les offenses manifestes à la logique qui sont produites dans des paroles d'élèves ou même d'adultes. Et donc, deux choses sur lesquelles j'insiste, c'est la richesse du langage et sa précision et la logique, jusqu'à présent, ce qu'on appelait la logique, quoi. Voilà, donc ça rend difficile la nuance, tout ça, et donc la tolérance, et donc l'écoute et la compréhension d'autrui. Mais pour vos remarques, et d'avoir cité le texte de Thomas d'Aquin, en effet, c'est ça le paradoxe, d'une certaine manière, de la justification religieuse et morale de l'intolérance, c'est que d'une certaine façon, le fait de ne pas adhérer au contenu de sa conscience est considéré comme un péché dans la tradition chrétienne. Mais ça ne veut pas dire que, si vous voulez, il y a une, enfin, je reprends tous ces débats en détail dans mon livre, ça ne veut pas dire qu'il y a pour autant qu'on ne considère pas non plus comme un péché le fait d'avoir une croyance considérée comme fausse. D'où le caractère extrêmement, extrêmement complexe de ces débats qui ont marqué la réflexion théologique à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIIe siècle. Mais en effet, le caractère intrinsèquement bon de l'adhésion à la croyance, le fait qu'il y aurait... que ce serait un péché que de travestir sa croyance est tout à fait attesté très tôt dans la tradition chrétienne, en tout cas dans le courant que vous avez cité. D'ailleurs, c'est un des éléments forts sur lesquels Bell prend appui pour démontrer que ça doit s'étendre aussi à la, que c'est un des éléments qui fonde la liberté totale qui doit être religieuse, qui doit être reconnue à la conscience. Mais ça, en effet, c'est un point très important. Merci d'avoir rappelé, parce que je n'ai pas du tout parlé de cela. Et sinon, je suis mais en accord total avec vous, bien sûr. Et d'ailleurs, si vous voulez, il me semble que pour parler avec nuance, il faut aussi maîtriser la langue française pour commencer. Et puis, il faut être nourri d'une longue tradition d'écrit, avoir une longue expérience de lecteur, puisque d'une certaine manière, on peut considérer que toutes les œuvres écrites contribuent d'une certaine manière à éduquer en chacun de nous ce sens de la précision, de la nuance, du détail significatif, et qui n'est pas simplement une éducation de la manière de parler, qui est une indication de l'intelligence et de la capacité à percevoir les différents aspects d'une situation. Et alors, évidemment, là, le raisonnement est totalement bafoué. On entend, là, il suffit de prêter attention au discours public pendant quelques minutes, on y voit qu'un amalgame, non sequitur, sophisme, tout y est d'une certaine manière. C'est bon, mais voilà, c'est malheureusement l'état de la parole publique. Nous, la parole publique n'appartient plus du tout à un petit cercle de lettrés, là, absolument rompu aux lois de la logique et à la précision d'expression. Il faut faire avec cette situation bien malheureuse, mais qui est la situation d'aujourd'hui. Juste une dernière remarque, je vous remercie. Vous qui avez été émerveillé ô combien par Socrate, Platon, est-ce que vous ne pensez pas, et peut-être avez-vous du mal à vous en consoler,
Est-ce qu'on n'assiste pas à un triomphe des sophistes aujourd'hui, et en plus des sophistes de bas étage, enfin de mauvaise qualité, quoi. Les sophistes étaient quand même des esprits extrêmement raffinés. Oui. Et les sophistes avaient une véritable, enfin, en tout cas pour ceux qu'on connaît, comme Protagoras, une conception philosophique cohérente et solide qui est derrière leur jeu de langage. Mais enfin, et puis, c'était aussi une thèse sur le langage, sans référence à la réalité. Malheureusement, il n'y a même pas ça dans ce à quoi on assiste aujourd'hui. Mais enfin, sophisme au plus bas sens du terme, oui, vous avez raison. Merci. Oui, dans le droit fil, je pensais aussi à la question des rumeurs qui courent plus vite que tout ce qui peut être logique. Elles se laissent rattraper par aucun argumentaire. Comment équilibrer un débat, comme vous l'appelez de vos voeux, dans un monde où circule surtout la rumeur et où le complot, enfin, qui échappe à la raison, voilà, alors que le débat relève de la raison. Absolument, il faut d'abord la rumeur circule parce que il y a des rumeurs, les rumeurs a toujours existé, hein, mais dans le débat non faussé, on peut arriver avec des faits, on peut expliquer que ce qui n'en est pas ainsi. Évidemment, quand la rumeur est diffusée par un pouvoir politique ou par une autorité quelconque qui a le moyen de faire taire ceux qui s'opposent à la rumeur, là, on entre véritablement dans un usage de la parole qui ressemble plus à la propagande et qui procède en général d'un État totalitaire. Mais dans les États démocratiques où le pouvoir politique ou des autorités ne viennent pas en tant que tel à l'appui de la rumeur, il y aura, et où la presse est libre, il y aura toujours des articles qui seront publiés qui montrent que c'est faux. Et pour finir, la rumeur se dégonflera. C'est quand même ce à quoi on a assisté dans l'histoire depuis deux siècles au moins. Quand le débat est complètement faussé et que ces voix critiques ne peuvent plus s'exprimer, ou plutôt qu'elles ne peuvent plus être entendues, qu'elles n'ont plus la moindre audience, c'est là que le problème se pose. Et c'est véritablement le problème que posent les GAFA d'un débat constamment faussé. Et en pensant à la parole publique, on pense aussi aux médias qui sont de plus en plus regroupés dans des groupes d'intérêts financiers ou de lobby. Est-ce qu'on ne peut pas craindre aussi pour la liberté d'expression dans un sens ou dans l'autre, dans la mesure où elle est autant canalisée par des puissances financières ou industrielles ? Oui, enfin, bon, pour l'instant, c'est lobby, là, donc pas… Enfin... peut-être pour un groupe particulier, mais pour l'instant, ils sont extrêmement soucieux de ne pas trop intervenir sur les contenus. Mais c'est certain, regardez, même si l'exemple français n'est pas le meilleur dans ce domaine, il n'y a qu'à regarder le cas de l'Ukraine ou de la Hongrie. L'Ukraine, la plupart des médias appartiennent à un ensemble de personnages extrêmement puissants. Et on le voit aujourd'hui, la tentative du président de limiter le pouvoir de ces oligarques a pour effet un déchaînement de haine contre le président dans tous les médias. En Hongrie, on a affaire, bon, on n'a pas affaire à un phénomène aussi dramatique, mais la plupart des médias en effet appartiennent à des groupes qui sont bien décidés à se servir de la presse qu'ils possèdent pour imposer pour influencer sur le choix influencer sur les élections qui vont avoir lieu dans quelques mois. Donc oui, dans ces cas-là, bien sûr, c'est extrêmement inquiétant. Enfin, on n'en est pas là encore en France, hein, même s'il y a volonté d'un certain groupe, semble-t-il, de,
de s'emparer au plus vite de certains médias extrêmement puissants pour donner beaucoup plus de moyens d'expression à certains courants politiques. Mais pour l'instant, on n'en est encore pas là. Mais ça existe dans certains pays, et même des pays européens. C'est extrêmement inquiétant. La première caractéristique de l'état de droit, c'est la presse indépendante et libre. Ça veut dire que toutes les opinions, c'est la condition d'une diversité des opinions. Toutes les opinions peuvent être en circulation. Quand il n'y a plus qu'une seule opinion politique, évidemment, on n'est plus vraiment en démocratie, même si les gens vont voter. Il y a d'autres questions ? Oui, parce que sinon, je vais peut-être vous quitter parce que je suis au bout de mes forces. Désolée. Mais... Bah, écoutez, alors, un très grand merci encore, Madame Cantos-Perler. Vraiment, je suis désolée que les choses se soient passées comme ça. Il n'a pas pu venir. Bon, on a quand même pu vous entendre. Et puis, ça nous permettra peut-être de lire ou de relire plus attentivement votre livre qui est vraiment... je trouve très facile de lecture et fort bien documenté. Voilà, j'ai essayé de raconter beaucoup d'histoires, mais de faire quelques analyses aussi. Oui, tout à fait. Voilà. Ben, écoutez, on vous remercie infiniment. Et puis, on vous souhaite une bonne résolution de vos soucis et un bon rétablissement. Merci. Et de belles fêtes de fin d'année. Voilà. Merci pour beaucoup. Vous aussi. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Au revoir, merci.